les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 17 septembre, il est 8h15, les filles viennent tout juste de partir à l'école, donc la journée commence, j'ai envie de dire, pour moi, puisque une fois que les filles sont parties à l'école, et ben c'est le ménage pour moi, sachant que j'en ai fait pas mal hier. C'est aussi pour ça que j'ai pas vlogué hier, vous n'avez pas eu de vlog, parce que j'ai été pas mal occupée, j'ai fait beaucoup de ménage parce que les filles elles ont tendance à me foutre un bordel pas possible. Donc hier j'en ai profité pour faire le ménage à fond. Comme elles ont joué dehors, elles étaient là mais elles ont joué dehors. Donc du coup j'en ai profité pour faire mon ménage hier. Et en plus hier on a aussi fait la caravane. Il y a du monde qui est venu voir l'ancienne caravane. Enfin voilà, c'est toute une histoire. Donc du coup hier j'ai vraiment pas eu le temps de vlogger. Voilà. Donc du coup ce matin en ménage j'ai pas grand chose, j'en ai toujours, hein. Je trouverai toujours quelque chose à faire. Mais bon là il faut que je passe la spi, il faut que je fasse les poussières et tout ça. Mais rien de beaucoup quoi, j'ai envie de dire, voilà. Aujourd'hui ce qui est prévu c'est que ce soir il faut qu'on aille faire de l'essence avec Mathieu, puisqu'on a une grosse surprise qui attend Sarah ce week-end. Je vous en dis pas plus, mais même si demain on est vendredi, je vlog, samedi je vlog, dimanche je vlog, puisque il y a une grosse surprise qui attend Sarah. Je vous dis Sarah parce que Raphaël n'est pas là, puisque elle s'en va avec sa maman, et ce week-end là, normalement c'était le week-end dernier, mais ça a été décalé, ou on n'a pas compris, ou Raphaël nous a pas donné le bonjour, enfin bref, peu importe, ce week-end là, elle s'en va à Disney. Donc du coup comme je vous l'avais dit, pour éviter qu'il y ait un trop grand écart entre guillemets entre les deux, que Raphaël revienne avec plein de souvenirs en disant moi j'ai vu ça, 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 et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, on voulait absolument prévoir un truc à Sarah qu'elle aurait à raconter aussi à Raphaël. Voilà, donc on va pas à Disney, hein. Nous on n'a pas les moyens clairement, voilà, on va pas à Disney, mais on lui fait une très grosse surprise qui revient pratiquement à autant de bonheur que Disney, voilà. Donc du coup faut qu'on aille faire l'essence pour sa surprise. Il faut aussi que je passe à Maxi Jouet et à Leclerc, parce qu'il faut que j'envoie un colis à ma soeur, voilà. Donc du coup il faut que j'envoie, faut que j'aille chercher les cadeaux d'anniversaire de mon neveu et de ma nièce, et il faut que j'envoie de la moutarde parce qu'il veut de la moutarde, voilà. Donc du coup il faut que j'aille chercher ça, et je sais plus ce qu'on a à faire aussi cet après-midi, je sais plus, enfin voilà. Bref, vous en saurez plus demain pour la surprise. Là, je vais pas vous le dire maintenant. Voilà, je vais attendre, mais je vous le saurez dans le vlog de demain, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, cet après-midi, on a quand même deux trois choses à faire encore après l'école. Aujourd'hui, personne n'a des activités. Tout le monde rentre à 4h30, il n'y a pas de souci. J'ai mal à l'œil. C'est comme si j'avais un cil dans l'œil. Ça fait super mal. Donc là je me mets au ménage. Une fois que j'ai fait mon ménage je vais faire ma douche, et je pense qu'on se retrouvera après, parce que j'ai encore pas mal de boulot encore ce matin. Mais il faut que je lève le pied, parce que j'arrive même plus à voir les vlogs de ceux que je suis d'habitude. Voilà, j'arrive plus à voir Christelle. Je sais que notre coco à la sortie des vidéos, j'arrive pas à les voir non plus. Enfin voilà, ça me saoule. Voilà, donc du coup, ce matin, je vais aussi prendre du temps un petit peu pour moi. J'ai reçu un mail aussi, il faut que j'y réponde. Je l'ai vu hier, j'ai pas répondu. Il faut que je fasse ça. Enfin voilà, j'ai vos commentaires à valider. Je dois pas en avoir beaucoup vu que j'ai pas mis de vlog hier. Enfin voilà, j'ai encore du boulot en plus de mon ménage, donc. C'est parti, si je vous parle trop dès maintenant, on va encore avoir un vlog de 40 minutes. Bon, quelle heure se fait-il? Il est 9h30, donc j'ai fait mon petit ménage, il me restera juste mon aspi, mais vous savez que j'attends toujours pour faire mon aspi le matin pour pas embêter la voisine, parce que chez nous les murs c'est du papier, comme on dit, et je sais que, enfin je crois que cette semaine elle est d'après-midi, donc ça veut dire qu'elle commence qu'à 11h30, midi moins le quart, et que je la laisse tranquille en fait au moins jusqu'à 10h, 10h15, au cas où elle dormirait, voilà, parce que bah voilà, on lui parle à cette voisine, elle est pas inconnue, enfin voilà, on va des fois chez elle, elle vient chez nous, enfin voilà, donc du coup je fais quand même toujours un petit peu attention. Donc là tout mon ménage est fait, il me restera juste l'aspi à passer. Du coup ça va être la question du jour, ça va être comment je m'habille. Ça je n'en sais jamais rien. Tous les jours je me dis
Faut que je m'achète des fringues, je sais pas comment m'habiller, j'en ai pas assez. Alors que mon armoire elle est pleine, hein, mais je sais jamais comment me fringuer. Donc du coup, je vais choisir mes habits. J'en ai pour 3 plombes. En plus, je sais pas du tout comment m'habiller parce que le temps il sait pas trop ce qu'il veut aujourd'hui. Un coup il fait beau, après ça se couve. Hier on a eu de l'orage. Enfin voilà. Ce matin, Sarah voulait se mettre en robe. Je lui ai dit non parce que j'ai dit on sait jamais si le temps il change comme hier, c'est mort. Donc elle est en jean. Donc je pense que je vais me mettre en jean aussi. Mais qu'est-ce que je vais mettre en t-shirt? J'en sais rien. Voilà. C'est la question. On verra. Donc je choisis mes habits et après à la douche. Ben voilà, petite douche faite. J'ai même fait un petit TikTok. Je me suis amusée un petit peu. Il est 11h30. Donc du coup, je vais commencer à préparer à manger. Mais je ne sais pas ce qu'on mange à midi. Je vais aller vérifier. Je croyais qu'il y avait quelqu'un devant ma fenêtre, j'ai eu peur. Alors, nous sommes jeudi. On mange des lentilles saucisses. Ça va être vite fait. Je vais le faire juste vraiment au dernier moment. Quand ma téléfille vont arriver. Donc j'ai encore un petit quart d'heure devant moi, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que tu fais? Un dessin. Mais ça vient d'où ça? C'est de l'école. Qui c'est qui te l'a donné? Aymen. C'est qui Aymen? Mon copain. Ah, le copain de Sarah. Il te donne toujours des cadeaux lui, moi je trouve. Hein. Il m'a donné déjà 2 mammouths. 2 grosses billes, ouais, les gros boulets là, énormes, et bah il en a donné 2, et puis là, voilà qui lui donne ça. Je crois qu'il est un petit peu amoureux, non? Non. Ah bon? D'accord. Du coup, tu fais des petits dessins. C'est pour lui alors les dessins? Non. Ah bon? Je croyais. Je croyais que t'allais lui faire des petits cœurs, moi. Non? Non, attends, je vais faire quelque chose. Ah d'accord. Waouh, t'as plus qu'à faire une tête, les jambes et les bras et ça te fera une super belle poupée. Bon, monsieur Hibou est rentré un petit peu plus tard. Ouais, nous on a mangé avant parce que bah t'avais un mec qui était là, donc il fallait que tu y ailles. Ouais, c'est ça. Donc, aïe, nous on a mangé avant. Et puis toi t'es rentré un petit peu après. Ouais. Et puis bah là, Mathieu rentre, enfin en repartant emmener les filles, faut que Mathieu il essaie d'avoir le maître de Sarah. Ouais. Puisqu'en fait le lundi mardi elle a sa maîtresse principale on va dire. Ouais, on va dire ça comme et ça. Le jeudi vendredi normalement elle a une autre maîtresse mais qui est en arrêt maladie depuis la rentrée. Donc du coup elle a un remplaçant que Raphaël et Romane ont déjà eu puisque quand Sarah leur a dit j'ai un maître il s'appelle un tel et bah Raphaël a dit ah oui on l'a déjà eu, il est super gentil. Donc effectivement Sarah nous a dit qu'il était très gentil et qu'il était rigolo et tout. Ouais, ouais. Mais depuis le début de l'année il est le seul. Alors Sarah en tout elle a 3 maîtresses qui oui, passe, qui voilà. Passe, oui. Et sur les 3, il y en a un, donc lui, qui embête Sarah, entre guillemets, donc le maître, qui embête Sarah au niveau de la tenue de son crayon. On recommence comme en maternelle, où ils enquiquinaient Sarah à tenir son crayon des 2 doigts comme ça, et Sarah, vu qu'elle est gauchère, elle a une façon particulière de le tenir. Donc à la maternelle, il s'était fait une raison, en oui, fait, il nous avait dit, on a essayé de la corriger, on voit qu'elle écrit correctement quand même. Comme elle tient son crayon, donc du coup on l'embête pas plus que ça. Sauf que là rebelote du coup au CP. Sauf que en fait ça marche tellement bien à l'école pour Sarah qu'on n'a pas du tout envie qu'on nous la bride à cause d'une tenue de crayon. Oui, à cause de ça, oui. Sachant ça. Que Sarah écrit correctement, très très bien même. Oui. Je pense que c'est pas parce que c'est ma fille que je dis ça, mais je pense qu'elle doit faire partie des plus belles écritures parce qu'elle a vraiment la bonne calligraphie quoi. Enfin, oui, elle oui, fait oui. vraiment bien les lettres et tout. Donc du coup j'ai pas envie qu'on me la bride par rapport à ça. Donc Mathieu va essayer d'aller voir le maître à midi. Oui. Puis s'il le voit pas, ben on ira le voir ce soir. Mais je veux pas qu'il la bride pour rien. Oui, quoi. Voilà, c'est juste une tenue crayon. Je pense pas qu'il y a des consignes particulières pour la tenue d'un crayon. Non. Donc on va aller lui dire. Il est probablement pas au courant. On va pas aller l'agresser. On va pas lui dire non, faites bah pas ci, non. faites pas ça. On va juste lui dire ça sert Sarah à rien. Nous a dit que. Voilà, ils ont déjà essayé en maternelle. Ouais. Ça a pas fonctionné. Elle a écrit comme ça et voilà. Enfin voilà. Exactement. C'est le problème du jour aujourd'hui. Voilà. C'est donc bah voilà. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire aujourd'hui? Pas grand-chose. Donc ça fait une journée pas très productive pour moi, pour faire une matinée, tout, ouais. tout pas très alors que moi oui, j'ai bien bossé ce matin. Alors parce que moi ce matin ça a été réunion et puis après ça a été technicien alors. Ah ouais super, voilà. super. Je fais de la présence quoi. Bon bah voilà, tu verras cet après-midi. J'ai dit aux abonnés que ce soir on avait plein de choses à faire par oui. rapport à mettre de l'essence, faut qu'on aille chercher mmh. De la moutarde, etc. Ça, etc. Donc du coup. Ça sera un peu plus actif ce soir, on oui, va dire. Oui, tout à fait.
Bon ben voilà, Mathieu est reparti avec Sarah et Raphaël. Et du coup, moi, j'ai petite Roxane qui d'habitude fait déjà la sieste à cette heure-là. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, elle n'est pas motivée. Elle a dormi à l'école ou quoi? Donc, peut-être qu'elle va s'endormir là, j'espère. On va essayer de faire le petit en calme, de l'endormir. Et puis après, je pourrai de nouveau vaquer à ce que j'ai à faire. Voilà, en espérant qu'elle dorme. Ça y est, j'ai réussi à endormir Roxane. C'était un petit peu plus compliqué que d'habitude. D'habitude, elle s'endort beaucoup plus vite que là, mais là, je sais pas. Elle était pas motivée, mais au final, assez endormie. Il est 2h30 bien passé. Donc, j'ai un petit peu de temps pour moi. Ouais, bah oui, parce que j'ai tout fait. J'ai juste mon linge à mettre au sèche-linge après. Mais pour l'instant, il tourne encore. Donc, bon, pour l'instant... c'est tranquille pour moi. Bon, nous voilà dans la voiture. Monsieur Hibou est rentré. Ouais. Voilà. Oula, j'ai mon écran qui s'en va dans tous les sens. Faut vraiment que tu me remettes une vis. Parce ouais. Que alors là, dans la voiture, c'est encore pire. Roxane, elle a bien dormi cet après-midi. Elle a même trop dormi, entre guillemets. En fait, elle s'est endormie tard. Vous l'avez vu dans le vlog. Mais du coup, à 16h, quand moi, je commençais à tout préparer, elle dormait toujours. Et à 16h15, elle dormait toujours. Voilà. Donc, en fait, je lui ai enfilé ses chaussettes. Je lui ai enfilé ses chaussures tout en dormant. Et après, elle n'a jamais voulu se lever. Elle a crié très fort parce qu'il fallait que je la lève. Voilà. Et du coup, là, elle a le pull alors qu'il fait 32 degrés. Elle ne veut pas le retirer. Sinon, elle hurle. Tout va bien. Donc, c'est notre petit lutin grognon aujourd'hui. Voilà. J'ai envie de dire qu'un peu comme tous les jours, c'est un lutin grognon. Voilà. Elle n'a même pas voulu prendre de goûter. Mais je crois que c'est la fatigue aussi. Souvent, le jeudi, comme ça, quand on arrive en fin de semaine, elle est encore plus fatiguée qu'à d'autres moments. Vous me voyez plus, comme d'hab à chaque fois qu'on passe là. Je sais pas pourquoi, pourtant il fait pas plus sombre qu'ailleurs, mais je sais pas. Donc du coup là on va aller chercher Raphaël et Sarah. Et qu'est-ce qu'on fait en premier? Leclerc, King Jouet, Essence. King Jouet en premier. Leclerc, Essence. Ok, bah voilà, le chef vous a dit le programme. Allez, go, c'est parti pour King Jouet. Je ne retiendrai jamais le nom de ce magasin, mon petit chat. Non, jamais. Jamais. Allez, c'est parti. Bon, Sarah, tu m'aideras à choisir? Ouais. Super. Parce que pour Cléa, c'est toi qui sais quand même. Hein. Allez, on fait qui en premier? Cléa en premier? Ça doit pas être par là, à mon avis. Viens par là, mon chouchou, viens. Hein? Viens, Roxane, on va aller regarder. Il y avait des Playmobil. Oui, mais c'est pas ceux-là. Non, je pense pas. Bonjour. Allez, viens. Alors, Playmobil. C'est peut-être de l'autre côté, les Playmo, non? Allez, viens, on va voir. Alors, ça t'a fait quoi d'acheter un jouet garçon? Je suis pas habituée. Hein. Allez, c'est parti. Maintenant, rayon Playmobil, qui va être le rayon de toutes les tentations pour Sarah. C'est ça. Alors, c'est pas là, voyons voir. Oh, oui, là, c'est les Lego Minecraft. Oh, c'est pas là. Police? C'est ça, c'est pas police. Alors, ça doit être par là, police, regarde. Police, là. Ah ouais, carrément, quoi. Alors, voyons voir. Ouais. Thank you.
après on pourra dire emballer, c'est pesé, c'est ça? Après, ouais. En plus, t'aimes bien faire les paquets cadeaux. Non. C'est pas vrai, ça. Ouais, tu fais ça pas mal aussi, hein. Ouais, t'as vu? Chacun son cadeau, quoi, ouais, c'est ouais. ça? Ouais, c'est ça. T'aimes aussi autant que moi, donc c'est ça qui est pratique. C'est ça. On va aller à Leclerc? Attends, je te vois pas. Tu sais pourquoi on doit aller à Leclerc, Sarah? Pour acheter du beurre. Non. Pour acheter de la moutarde à Tata. Parce que Tata Sandy, elle m'a appelé, elle m'a dit je voudrais de la moutarde. Donc faut qu'on aille acheter de la moutarde, t'es d'accord? Allô? Tu me réponds pas? Tu veux pas acheter de la moutarde pour Tata? Je vais l'appeler, je vais lui dire. On va dire, bah du coup, on n'en a pas acheté parce que... Ouais, parce que Sarah voulait pas qu'on achète de la moutarde. Bon, Roxane, est-ce que toi, t'es d'accord pour aller chercher de la moutarde à Tata? On y va? Ouais. Oh, d'accord. Oh, bah personne n'est décidé, hein, écoute. Si. Ah, t'es décidé, ça y est? Oui. Bon, allez, c'est toi qui vas la chercher? Oui. Allez, ah, on a le droit à... On lutte en gros oignon. Allez, on y va. C'est la fête aux grenouilles. Tu veux que je te mette sur mes épaules? Tu veux que je te porte? Oh oui, ça allait, papa. Ah, c'est tellement mieux dans les bras, papa. Ah, c'est mieux dans les bras, papa. Oh là là, cet écran. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Même l'essence pour le week-end, on est tranquille. Comme ça, on n'a pas besoin d'y repasser. Et c'est tout à fait très bien comme ça. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Voilà. Si, c'est tout à fait très bien comme ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Du coup, 17h30. Aujourd'hui, on se pose pas dans la caravane. Enfin, non, parce que moi, la peinture, ça va me prendre. Enfin, faut que je fasse le blanc dans la chambre, mais pas aujourd'hui. Voilà. Ah bon, je pose pas dans la caravane. Tu voulais, toi? Ouais. Bah, il faut que je me. Faut que je déblaye la. Bah, tu peux t'y mettre, mais moi, je m'y mets pas. Je fais la voiture. Parce que là, la voiture, non, c'est non, un peu le... Je vais faire la voiture, t'inquiète. Bah après, à deux, il y en a pour 10 minutes. Hein. Ouais, je passe pas à la spin ni rien, j'enlève juste tous les papiers. Ouais. Parce qu'on accumule les papiers dans la voiture. Les tickets de caisse, les paquets de gâteaux. Je ne vois pas de quoi tu parles. Donc là, il faut vraiment refaire du propre dans la voiture. En plus, mardi, elle passe au contrôle. Enfin, pas au contrôle, mais à la révision. Ouais. Donc ça serait bien qu'elle soit un peu plus propre que ça. Donc, je vais faire ça après. Bon voilà, on a fait la voiture. Bon, il n'y avait pas grand chose à faire. Mais au moins, il n'y a plus de papier. Il n'y a plus rien, c'est tout propre. Roxane est en train de s'amuser dans la voiture. Et maintenant que je voudrais qu'elle descende, elle ne va pas descendre. On y va? Non. Voilà. Parce qu'en fait, avec Mathieu, on s'est rendu compte qu'on avait complètement oublié qu'on avait des patates dans le jardin. Ouais, pommes de terre. Donc du coup, on va aller les retirer. C'est ça. On a toujours quelque chose à faire, toujours. Bonjour monsieur. Hello. Bon, après un effort. Oui, après quelques efforts. Quelques efforts. Voilà. Nous avons une belle terre, les amis, qu'on a tamisée parce qu'il y avait tellement de cailloux dedans. On l'a tamisée à la passoire. Du coup, là, on a une terre vraiment sans cailloux. Mais comme vous pouvez le voir, il pleut pas chez nous. La terre est d'une sécheresse de folie. Mais pourtant, on a récupéré quand même quelques patates. Ouais. Il faut que je vous montre tout à l'heure, on les a oubliés au jardin. Ouais, on va aller les chercher après. Ouais, mais du coup, l'année prochaine, on les met dans des trucs comme ça, nos plantations. Mm. Parce que là-bas, c'est un peu trop plein de cailloux. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu de mal à pousser. Alors que mon basilic, vous pouvez le voir, pousse très bien. Quant à lui, il est très bon. Et en ma plus, petite ouais. ciboulette aussi. Bon, là, elle est coupée parce que bah, on s'en est servi. Mais le basilic, il sent super bon en plus. Hein. Je suis contente. Ah, moi aussi. Ouais, c'est bon. Allez, hop. Un petit coup d'arrosage, je crois que ça va pas faire de mal. Ah, hein. Tu m'étonnes. Là, 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 le truc hyper satisfaisant, quoi. J'adore faire ça. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, c'est de famille, hein. Mon père était comme ça, hein. Je vais attendre que ça boive. Ah, t'as touché le basilic? Hein? T'as touché oui, le basilic? Ah, putain, ouais, effectivement, il sent bon. Il faut que t'attendes que ça boive un peu. Bah ouais, parce que là, je crois qu'il a un peu soif la terre. Un petit peu, ouais. Bon, est-ce qu'on va manger, monsieur Hibou? Bah, j'espère bien. On est crade, regarde. J'ai de la terre partout, mais tout poussiéreux. Je veux voir, toi. Bon, ça va encore, toi? Ah, mais c'est parce que moi, je sais travailler propre. Non, ou alors c'est parce que je travaille pas. Mais là, j'irai faire une petite douche après, c'est pas grave. Bon, du coup, on va manger?
Ouais. Du coup, on mange la purée. Ce soir, j'ai fait les petites tomates qui restaient avec mon petit basilic. Je suis tellement fière de mon basilic. Voilà. On va faire ça. Et puis, Mathieu, il a fait cuire des petits pains. Parce qu'on n'a toujours pas de pain. On est en guerre de pain en ce moment. On a du mal à avoir du pain à la maison alors qu'on est des gros mangeurs de pain. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Allez, on va manger. Mademoiselle Hibou est démaquillée et décoiffée. J'ai enlevé mes rajouts. Donc ça veut dire que nous sommes en fin de soirée. Voilà, tout simplement. Il est 21h, donc du coup Sarah est au lit. Raphaël est dans sa chambre en train de lire. Et du coup, Mathieu était parti dans la voiture parce qu'en fait on avait un problème avec le DVD là, en fait, qu'on a dans la voiture pour pouvoir passer les dessins animés des filles quand on roule. Ça ne fonctionnait plus alors que Mathieu avait changé la pile de la télécommande. Et en fait, du coup, tu as changé celle du DVD et celle de la télécommande, c'est ça? Non, j'ai changé celle du DVD, enfin, de la pile de la télécommande du DVD. Et j'en ai profité pour changer la pile de la télécommande de la voiture. Et la carte, en fait. Ah oui, de ta voiture pour ouvrir et voilà, fermer. Voilà, c'est ça. D'accord, parce qu'en fait, elle marquait pile carte faible. Donc, du coup, j'en ai profité, j'ai changé. Ah, d'accord. Et tout refonctionne normalement. Voilà, c'est ça. Tout simplement, voilà. Donc, du coup, moi, je vais aller faire un petit bain avec la petite demoiselle, là, puisqu'elle m'attend. Hein? On va où? Par là. On va par là? On va faire quoi par là? Bah, on va faire quoi? On va au bain, c'est ça qu'elle me dit. Donc du coup, je vais lui faire un petit bain à cette heure-là, comme ça, elle va se détendre tranquillement et elle va se coucher tranquillement, voilà. Même si demain, elle n'a pas d'école, je fais en sorte qu'elle ne se couche pas trop tard. Sarah, elle était gentille de faire des machins, mais dit, il y en a partout. Super, je suis trop contente. Donc du coup là, pendant que je vais m'occuper de Roxane, Mathieu du coup va m'avancer et il va commencer à me monter le vlog. C'est ça, tout à fait. Parce que j'ai un gentil mari. Oui, je sais. Voilà. Comme ça après on pourra regarder Teen Wolf. Oui, je sais. Voilà. Je vais pouvoir faire dodo. Oui. Mais papa il a dit que Raphaël elle faisait dodo. Papa il a dit que Raphaël elle faisait dodo. Non, c'est pas ça, papa. Si. On comprend pas toujours tout. Pas encore. Bientôt, on a rendez-vous à l'ORL. Bientôt, bientôt. Bon, allez. C'est parti, je vais au bain. Ouais. Et je pense que Mathieu clôturera sans moi. Parce que je pense qu'on sera toujours dans le bain. Oui. Donc, moi, je vous souhaite un bon fin de vlog. Et on se donne rendez-vous demain. Pour nous, en tout cas, vous et moi. Pour la belle surprise de Sarah. Qui n'est pas allée voir l'atelier de Roxane. J'ai une abonnée qui m'a demandé si c'était ça. Et non. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Ça nous aurait fait plaisir. Voilà. C'est ça, ce n'est pas ça. Donc, vous verrez bien à partir de demain, puisque en fait, ça dure tout le week-end, voilà. Mais vous verrez le début de la surprise demain, voilà. Oui, Roxane, on y va. On y va. Je suis entendue, les amis. Alors là, même Mathieu n'était pas hyper rassuré. À vous. Non, j'avoue. On a un frelon. Ouais, un frelon asiatique. C'est une guêpe, mais en comme ça. Vous avez la guêpe, et là, vous avez un truc comme ça. Qui est pareil tacheté comme la guêpe, mais énorme comme ça. Du coup, Mathieu, il a fermé la porte parce qu'on n'a pas de psss pour tuer les insectes. Plus, Donc, du coup, on a éteint la lumière, on a ouvert la fenêtre. Enfin, la fenêtre était déjà ouverte, on a éteint la lumière, on a fermé la porte. Donc, j'espère qu'il va se barrer tout seul. Oui, parce oui, que ça, c'est hyper dangereux si on se fait piquer par ça, non? Oui, vaut mieux éviter, oui. Heureusement que j'étais pas toute seule, j'aurais encore crié. Bon les amis, ça va être l'heure de clôturer le vlog, je sais même pas quelle heure il est. Il est 22h07, pardon, Roxane me fait bouger le siège. Donc ils sont sortis du bain, tout va bien, tout s'est bien passé, nous avons monté le vlog. J'ai fini par réussir à faire ressortir le frelon asiatique, ou la guêpe asiatique, ou je sais pas trop ce que c'était, c'était pas très beau comme truc. Je me suis armé de courage et j'ai réussi à le faire sortir. Voilà, donc tout va bien, le vlog est monté, merci Roxane. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, parce que je sais pas quand est-ce que vous regardez ça, bon appétit, le cas c'est cher. Voilà, on vous dit donc du coup à demain, parce que demain on vlog, enfin Marie vlog, parce que c'est pas moi qui vlog, attention, moi je clôture de temps en temps, mais ça s'arrête là. Voilà, et puis on vous fait plein de gros bisous, ciao ciao.